إن الحمد لله نحمده تعالى نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالجنة والنجاة من النار ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول المولى عز وجل في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى دين القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سجد يوم رمضان au cours duquel le Saint Coran est descendu هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان il est descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement al-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum quiconque d'entre vous est présent ce mois qu'il jeûne waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra et quiconque est malade ou en voyage pendant ce mois alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours qu'il rattrape. يريد الله بكم اليسر الله veut pour vous la facilité ولا يريد بكم العسر et ne veut pas pour vous la difficulté ولتكمل العدة afin de compléter le nombre de jours ولتكبر الله على ما هداكم et afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous avoir guidé وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ et afin que vous soyez reconnaissant إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى الْأَبْوَابِ le mois du Ramadan va bientôt entrer Sha'ban va nous quitter et va laisser la place pour شهر رمضان هذا الشهر الذي كان سلفنا الصالح يستعدون له أو يستعدون لهذا الشهر قبله بستة أشهر ce mois dont les pieux prédécesseurs se préparaient six mois à l'avance وكانوا يدعون الله تعالى أن يبلغهم رمضان et ils imploraient Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il leur permette d'atteindre Ramadan. Qui d'entre nous, et comme ses pieux prédécesseurs, qui pense à Ramadan six mois à l'avance et qui est prêt pour Ramadan. Ahlul dunya, qad ista'addu. Les gens de la dunya, ils se sont préparés pour ce mois. Ahlul musalsalat, ceux qui s'occupent des programmes de télé, dans les pays arabes bien sûr, ils ont déjà préparé leur programme. Ils ont déjà préparé les films, les musalsalat,
qui se regarde beaucoup, qui a beaucoup d'iqbal pendant le mois de Ramadan. Ahl al-Ta'am, les commerçants, ils ont déjà préparé pour Ramadan, parce que c'est une entrée d'argent. Tous les gens de Dunia se sont préparés pour le mois du Ramadan. Et la question est, est-ce que nous, al-Muslimoun, les musulmans, qui vont recevoir la visite du mois de Ramadan, et le Ramadan est bien pour nous, et pour nous, plus particulièrement, les musulmans, est-ce que nous sommes prêts, comme le sont Ahl al-Dunya, comme le sont les gens de ce bas monde? Aujourd'hui, on a vu même que les non-musulmans, ils s'adaptaient au Ramadan, ils s'adaptaient au jour de congé des musulmans et au jour de fête des musulmans. Ramadan, c'est devenu une entrée d'argent pour les commerçants musulmans ou non-musulmans. Il faut savoir, chers frères, que ce mois béni, c'est une grande occasion pour le bien. Pour la pratique culturelle. هذا الشهر فرصة عظيمة من أجل أن نقدم الطاعات لرب العالمين. C'est une occasion pour montrer notre dévotion et notre obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. شهر رمضان فرصة عظيمة. C'est une occasion, une énorme occasion. C'est un mois pendant lequel les bonnes actions sont décuplées, elles sont multipliées. Les mauvaises, elles sont aggravées. Wa shahrun man qaddama fihi ta'atan lillahi rabbil alamin fa hadhihi at-ta'a wa hadha al-'amal mudha'afun. Allah multiplie. Wa Allah subhanahu wa ta'ala يضاعف ايضا السيئات. الله multiplie aussi les mauvaises actions pendant ce mois. هو شهر اوله رحمه. C'est un mois dont le début est miséricorde. اوسطه مغفره. Son milieu est pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. واخره عتق من النار. Et sa fin, c'est la délivrance du feu de l'enfer. C'est la raison pour laquelle, wallahi ya ikhwani, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On doit lui être reconnaissant. Alayna Naam, c'est qui frappe? C'est Ramadan. Il reste encore quelques jours. Il frappe pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Comme je disais, chers frères, wallahi alayna an nahmad Allah azza wa jal wa an nakuna lahu shakirin. Nous devons être reconnaissants à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ces bienfaits qu'il nous accorde, pour toutes ces occasions qu'il nous donne. Période après période. Là, nous sommes pendant le mois de Sha'ban. Vous connaissez tous les mérites du mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, il va laisser sa place à Ramadan. Et on connaît tous les mérites du mois béni de Ramadan. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné les moyens pour pouvoir s'enrichir de hasanat. Et nous devons aussi profiter des périodes, des bonnes périodes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et c'est comme ça, et simplement comme ça, que nous pourrons être reconnaissants à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, combien les jours se ressemblent? Ramadan est venu et nous l'avons accueilli, et très vite il est parti et le voilà de retour. Wallahi, c'est comme si c'était hier que j'étais assis à la même place et que j'exhortais les fidèles à se préparer de la meilleure des façons pour accueillir ce mois béni. J'ai l'impression que c'était hier. Et c'est comme si les jours se ressemblaient.
Et la question que nous devons nous poser après cette introduction, c'est comment pouvons-nous à présent nous préparer pour la venue de Ramadan. السؤال الذي ينبغي أن نطرحه ينبغي لكل واحد منا أن يطرحه على نفسه هو كيف نستعد لهذا الشهر الكريم. Je dis, la préparation de Ramadan, ça commence tout premièrement par un examen de conscience. L'istiadad de Ramadan, يبدأ أولا بمحاسبة النفس. Un examen de conscience pour constater notre négligence à l'égard des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, chaque musulman, chacun de nous, il doit se demander des comptes. Qu'est-ce que j'ai fait pendant toute cette année? Qu'est-ce que j'ai fait depuis que le mois de Ramadan nous a quittés? Comment je me suis comporté à l'égard des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ai-je pratiqué ces obligations? Ai-je pratiqué les recommandations? Comment je me suis comporté face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je me suis interdit des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que j'ai freiné devant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite? Donc nous avons besoin de faire un examen de conscience. Je dois juger mes yeux pour ce que mes yeux ont regardé ou vu. Je dois juger cette langue moi-même. Je juge ma langue. Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Je juge mes oreilles. Qu'est-ce que mes oreilles ont écouté de mal et d'interdit? Et lorsque je vais faire un examen de conscience, je vois en réalité qu'il y a eu beaucoup de manquements, beaucoup de négligences quant aux recommandations divines et celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et très vite, je vais me rendre compte que je n'ai pas été comme il fallait que je sois, et très vite va venir en moi l'envie, le désir ardent de me repentir à mon Seigneur. Et ça, c'est la deuxième chose avec laquelle nous devons accueillir cet invité qui est Ramadan. Est-ce que chacun de nous, lorsqu'on sait qu'on va recevoir un invité, si tu sais que demain tu as un invité, tu vas dormir jusqu'à midi? Hein? Toi et Zawjia, vous dormez jusqu'à midi? Laisse-le, on va lui donner un verre d'eau? Non. Non. Bien avant, on se prépare. Et on s'assure qu'il y a tout. T'as acheté le pain, oui. T'as acheté la viande. T'as acheté ceci. T'as acheté le na'na et la taille pour faire un couscous de taille. T'as acheté les fruits. T'as acheté ceci, cela. Ça, c'est un invité. Comment nous allons laisser venir à Ramadan qui vient une fois par an et on ne sait pas si il y a l'année prochaine, si Allah nous permet de le jeûner cette année. On ne sait pas si l'année prochaine on pourra le jeûner. Comment on va le laisser venir sans nous préparer? C'est pas possible. C'est pas un musulman doué d'intelligence qui réfléchit comme ça. Le musulman, il doit être prêt avant. Donc viens le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque je sais que j'ai eu beaucoup de négligence et de manquements à l'égard des obligations et des recommandations divines. Et vient en moi l'envie de me repentir. Et c'est en se repentant qu'on pourra profiter du Ramadan. Impossible. Celui qui ne s'est pas repenti, il ne pourra pas profiter du Ramadan. كيف يريد الذي إن غمس في المعاصي كيف يريد أن يستفيد من رمضان؟ Alors que tu es encore plongé dans les péchés du départ repenti, comment tu veux que Ramadan soit miséricorde pour toi? Comment tu veux qu'il soit pardon et qu'il soit un affranchissement du feu de l'enfer? Et pour te faciliter le repentir,
Sache, cher frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est à l'esprit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cher pécheur, toi qui as tant péché, qui as commis des péchés, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est à l'esprit qu'Allah tend sa main la nuit pour pardonner aux pécheurs du jour, et il tend sa main le jour pour pardonner aux pécheurs de la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba liman yatuba ala man ala musihi an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba ala musi'i aw limusi'i al-layl. Allah subhanahu wa ta'ala, il tend sa main vers les pécheurs. Il veut, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on se repente. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, nous qui avons commis tant de péchés, hein, devant Allah azza wa jal, Allah, il sait qu'on les a commis, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on se repente. Et Allah aime qu'on se repente. Allah dit, inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah subhanahu wa ta'ala aime les repentants. Il dit dans le Coran al-Karim, wa yuridu Allah an yatuba alaykum. Allah veut vous pardonner vos péchés. Il veut vous pardonner. Et c'est la raison pour laquelle nous devons demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala appelle dans le Coran al-Karim et il dit: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Et encourez vers un pardon, vers le pardon de votre Seigneur et un paradis large comme les cieux et la terre. أُعِدَّتْ لِمَنْ, préparé pour qui? أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, préparé pour les pieux. Allah Ta'ala an yaj'alana minhum. Qulu amin. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'iddat lil-muttaqin. Alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ceux qui dépensent leur argent dans as-sarra wad-dharra, dans les moments faciles et dans les moments difficiles. Ceux qui contrôlent leur colère, ne la laissent pas éclater. Allahumma ja'alna minhum. Cela est difficile. Et qui pardonne aux gens, qui pardonne à ceux qui leur ont fait du mal, cela est très difficile. Mais sa récompense, jazaouhu al-jannah. Il pardonne à autrui. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah, il aime les bienfaisants. Non seulement tu as contrôlé ta colère, tu ne l'as pas laissé éclater, mais ensuite tu as pardonné à celui qui t'a fait du mal. Mais en plus de ça, tu es devenu muhsin avec lui, tu es devenu bon avec lui. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Et pour ceux qui, lorsqu'ils commettent quelques turpitudes, الذين إذا فعلوا فاحشة, et où ils ont causé, des préjudices à leur propre âme, bien sûr en désobéissant Allah subhanahu wa ta'ala. Zakarullah, ils se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaghfaru li dhunubihim, ils ont fait du mal à eux-mêmes, ils ont commis des péchés. Ils se rappellent d'Allah. Ya Rabbi, qu'est-ce que j'ai fait? Ya Allah, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas digne d'avoir fait ça. C'est pas digne d'un bon croyant d'avoir fait ça.
se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils reconnaissent. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur pardonne leurs péchés. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ Allah subhanahu wa ta'ala dit Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah azza wa jal? Qui va te pardonner hormis Allah subhanahu wa ta'ala? Toi qui es trempé, toi qui es noyé dans les océans des péchés, qui va te pardonner si ce n'est pas Allah azza wa jal? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Mais une condition, Allah a dit, لَمْ يُصِرُّوا Ils ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont commis un péché, ils se souviennent d'Allah Azza wa Jal, ils demandent à Allah de leur pardonner, mais ils ne recommencent plus, ils ne retombent plus dans le piège. Cela, Allah dit, أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Cela, ils auront pour récompense مغفرة من ربهم Le pardon de leur Seigneur وجنات Un paradis, تجري من تحتها الأنهار, sous lequel coulent des ruisseaux. خالدين فيها, ils y seront éternels. ونعم أجر العاملين, comme est beau le salaire de ceux qui font du bien. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. Donc, c'est avec un examen de conscience et avec ce repentir et cette imploration du pardon que nous devons accueillir Shahr Ramadan. Prosallahu alayhi wa sallam dans le hadith Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'd al-mawt. Le vrai intelligent, c'est celui qui se maîtrise et qui œuvre pour après sa mort. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان. Et l'incapable, c'est celui qui suit ses passions. Tout ce que son nefs lui dit de faire, il le fait. Dis hadi, je la fais celle-ci, je fais. Il y a pas de fils, donne pas de frein, il s'interdit rien. وتمنى على الله الامان. Il souhaite obtenir tout d'Allah Azza wa Jal. C'est la raison pour laquelle nous devons agir comme Al-Kayyis, le vrai intelligent. Et le vrai intelligent, c'est celui qui se maîtrise. Yamsiku nafsa. Il maîtrise ses passions. Wa ya'malu lima ba'd al-mawt. Et qui œuvre pour se préparer à la mort. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن سيشهدون شهر رمضان وسيصومونه إيمانا واحتسابا ويقومونه إيمانا واحتسابا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم On continuera, inshallah, la semaine prochaine dans ces doros de préparation pour le Ramadan. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالجنة والنجاة من النار ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المولى عز وجل في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى دين القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، سجد مد رمضان au cours duquel le Saint-Coran est descendu. Hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Il est descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement al-furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Quiconque d'entre vous est présent ce mois, qu'il jeûne. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Et quiconque est malade ou en voyage pendant ce mois, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours qu'il rattrape. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ. Allah veut pour vous la facilité. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Et il ne veut pas pour vous la difficulté. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ. Et afin de compléter le nombre de jours. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Et afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous avoir guidé. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et afin que vous soyez reconnaissants. إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى الْأَبْوَابِ. Le mois du Ramadan va bientôt entrer. Sha'ban va nous quitter et va laisser la place pour Shahr Ramadan. هذا الشهر الذي كان سلفنا الصالح يستعدون له أو يستعدون لهذا الشهر قبله بستة أشهر. Ce mois dont les pieux prédécesseurs se préparaient 6 mois à l'avance. وَكَانُوا يَدْعُونَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُبَلِّغَهُمْ رَمَضَانِ. Et ils imploraient Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il leur permette d'atteindre Ramadan. Qui d'entre nous, et comme ses pieux prédécesseurs, qui pensent à Ramadan 6 mois à l'avance et qui est prêt pour Ramadan? أَهْلُ الدُّنْيَا قَدْ اسْتَعَدُّوا. Les gens de la dunya, ils se sont préparés pour ce mois. Ahlul Musalsalat, ceux qui s'occupent des programmes de télé dans les pays arabes bien sûr, ils ont déjà préparé leur programme. Ils ont déjà préparé les films, les Musalsalat, qui se regardent beaucoup, qui a beaucoup d'iqbal pendant le mois de Ramadan. Ahlul Ta'am, les commerçants, ils ont déjà préparé pour Ramadan, parce que c'est une entrée d'argent. Tous les gens de dunya se sont préparés pour le mois du Ramadan. Et la question est, est-ce que nous, al-muslimoun, les musulmans, qui vont recevoir la visite du mois de Ramadan, et le Ramadan est bien pour nous, et pour nous, plus particulièrement, al-muslimine, est-ce que nous sommes prêts, comme le sont ahlul dunya, comme le sont les gens de ce bas monde? Aujourd'hui, on a vu même que les non-musulmans, ils s'adaptaient
au Ramadan et s'adapter aux jours de congé des musulmans et aux jours de fête des musulmans. Ramadan, c'est devenu une entrée d'argent pour les commerçants musulmans ou non musulmans. Il faut savoir, chers frères, que ce mois béni, c'est une grande occasion pour le bien. هذا الشهر فرصة عظيمة للخير pour la pratique culturelle. هذا الشهر فرصة عظيمة من أجل أن نقدم الطاعات لرب العالمين. C'est une occasion pour montrer notre dévotion et notre obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. شهر رمضان فرصة عظيمة. C'est une occasion, une énorme occasion. C'est un mois pendant lequel les bonnes actions sont décuplées. Elles sont multipliées. Les mauvaises, elles sont aggravées. وشهر من قدم فيه طاعة لله رب العالمين فهذه الطاعة وهذا العمل مضاعف. الله multiply. والله سبحانه وتعالى يضاعف أيضا السيئات. الله multiply aussi les mauvaises actions pendant ce mois. هو شهر أوله رحمة. C'est un mois dont le début est miséricorde. أوسطه مغفرة. Son milieu est pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. وآخره عتق من النار. Et sa fin, c'est la délivrance du feu de l'enfer. C'est la raison pour laquelle والله يا إخواني on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On doit lui être reconnaissant. Alayna. Naam, c'est qui frappe? C'est Ramadan. Il reste encore quelques jours. Il frappe pas. Sallu ala al-Nabi. Comme je disais, chers frères, والله علينا أن نحمد الله عز وجل وأن نكون له شاكرين. Nous devons être reconnaissants à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ces bienfaits qu'il nous accorde, pour toutes ces occasions qu'il nous donne. Période après période. Là, nous sommes pendant le mois de Sha'ban. Vous connaissez tous les mérites du mois de Sha'ban. Mois de Sha'ban, il va laisser sa place à Ramadan. Et on connaît tous les mérites du mois béni de Ramadan. On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné des moyens pour pouvoir s'enrichir de hasanat. Et nous devons aussi profiter des périodes, des bonnes périodes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et c'est comme ça, et simplement comme ça, que nous pourrons être reconnaissants à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, combien les jours se ressemblent? Ramadan est venu et nous l'avons accueilli et très vite, il est parti et le voilà de retour. Wallahi, c'est comme si c'était hier que j'étais assis à la même place et que j'exhortais les fidèles à se préparer de la meilleure des façons pour accueillir ce mois béni. J'ai l'impression que c'était hier. Et c'est comme si les jours se ressemblaient. Et la question que nous devons nous poser après cette introduction, c'est comment pouvons-nous à présent nous préparer pour la venue de Ramadan. السؤال الذي ينبغي أن نطرحه ينبغي لكل واحد منا أن يطرحه على نفسه. وكيف نستعد لهذا الشهر الكريم. Je dis, la préparation de Ramadan, ça commence tout premièrement par un examen de conscience. L'istiadad de Ramadan يبدأ أولا بمحاسبة النفس. Un examen de conscience
pour constater notre négligence à l'égard des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, chaque musulman, chacun de nous, il doit se demander des comptes. Qu'est-ce que j'ai fait pendant toute cette année? Qu'est-ce que j'ai fait depuis que le mois de Ramadan nous a quittés? Comment je me suis comporté à l'égard des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ai-je pratiqué ces obligations? Ai-je pratiqué les recommandations? Comment je me suis comporté face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je me suis interdit des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que j'ai freiné devant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite? Donc nous avons besoin de faire un examen de conscience. Je dois juger mes yeux pour ce que mes yeux ont regardé, ont vu. Je dois juger cette langue moi-même. Je juge ma langue. Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Je juge mes oreilles. Qu'est-ce que mes oreilles ont écouté de mal et d'interdit? Et lorsque je vais faire un examen de conscience, je vois en réalité qu'il y a eu beaucoup de manquements, beaucoup de négligences quant aux recommandations divines et celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et très vite, je vais me rendre compte que je n'ai pas été comme il fallait que je sois, et très vite va venir en moi l'envie, le désir ardent de me repentir à mon Seigneur. Et ça, c'est la deuxième chose avec laquelle nous devons accueillir cet invité qui est Ramadan. Est-ce que chacun de nous, lorsqu'on sait qu'on va recevoir un invité, si tu sais que demain t'as un invité, tu vas dormir jusqu'à midi? Hein? Toi et Zawjia, vous dormez jusqu'à midi? Allez, on va lui donner un verre d'eau? Non. Non. Bien avant, on se prépare. Et on s'assure qu'il y a tout. T'as acheté le pain? Oui. T'as acheté la viande? T'as acheté ceci? T'as acheté le na'na et la taille? Enfin, un couscous de taille? T'as acheté les fruits? T'as acheté ceci, cela? Ça, c'est un invité. Comment nous allons laisser venir à Ramadan qui vient une fois par an et on ne sait pas si il y a l'année prochaine, si Allah nous permet de le jeûner cette année, on ne sait pas si l'année prochaine on pourra le jeûner. Comment on va le laisser venir sans nous préparer? C'est pas possible. C'est pas un musulman doué d'intelligence qui réfléchit comme ça. Le musulman, il doit être prêt avant. Donc viens le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je sais que j'ai eu beaucoup de négligence et de manquement à l'égard des obligations et des recommandations divines, et vient en moi l'envie de me repentir, et c'est en se repentant qu'on pourra profiter du Ramadan. Impossible. Celui qui ne s'est pas repenti, il ne pourra pas profiter du Ramadan. كيف يريد الذي إن غمس في المعاصي كيف يريد أن يستفيد من رمضان؟ Alors que tu es encore plongé dans les péchés et que tu n'es pas repenti, comment tu veux que Ramadan soit miséricorde pour toi? Comment tu veux qu'il soit pardon et qu'il soit un affranchissement du feu de l'enfer? Et pour te faciliter le repentir, sache, cher frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est à l'esprit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cher pécheur, toi qui as tant péché, qui as commis des péchés, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est à l'esprit, qu'Allah tend sa main la nuit pour pardonner aux pécheurs du jour, et il tend sa main le jour pour pardonner aux pécheurs de la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bil layl li yatuba لمن يتوب على من على مسيئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب على مسيء او لمسيء الليل
Allah subhanahu wa ta'ala, il tend sa main vers les pécheurs. Il veut, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on se repente. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, nous qui avons commis tant de péchés, hein, devant Allah azza wa jal, Allah, il sait qu'on les a commis, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on se repente. Et Allah aime qu'on se repente. Allah dit, inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah subhanahu wa ta'ala aime les repentants. Il dit dans le Coran al-Karim, wa yuridu Allah an yatuba alaykum. Allah veut vous pardonner vos péchés. Il veut vous pardonner. Et c'est la raison pour laquelle nous devons demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala appelle dans le Coran al-Karim et il dit, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. Et encourez vers un pardon, vers le pardon de votre Seigneur et un paradis large comme les cieux et la terre. أُعِدَّتْ لِمَنْ, préparé pour qui? أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, préparé pour les pieux. Allah Ta'ala an yaj'alana minhum. Qulu amin. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'iddatil muttaqin. Alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ceux qui dépensent leur argent dans as-sarra wad-dharra, dans les moments faciles et dans les moments difficiles. Ceux qui contrôlent leur colère, ne la laissent pas éclater. Allahumma ja'alna minhum. Cela est difficile. Et qui pardonne aux gens, qui pardonne à ceux qui leur ont fait du mal, cela est très difficile. Mais sa récompense, jazaa'uhu al-jannah. Il pardonne à autrui. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah, il aime les bienfaisants. Non seulement tu as contrôlé ta colère, tu ne l'as pas laissé éclater, mais ensuite tu as pardonné à celui qui t'a fait du mal. Mais en plus de ça, tu es devenu muhsin avec lui, tu es devenu bon avec lui. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Et pour ceux qui, lorsqu'ils commettent quelques turpitudes, الذين إذا فعلوا فاحشة, et où ils ont causé, des préjudices à leur propre âme, bien sûr en désobéissant Allah subhanahu wa ta'ala. Zakarullah, ils se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaghfaru li dhunubihim, ils ont fait du mal à eux-mêmes, ils ont commis des péchés, ils se rappellent d'Allah. Ya Rabbi, qu'est-ce que j'ai fait? Ya Allah, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas digne d'avoir fait ça. C'est pas digne d'un bon croyant d'avoir fait ça. Ils se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils reconnaissent. Fastaghfaru li dhunubihim, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur pardonne leurs péchés. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah azza wa jal? Qui va te pardonner hormis Allah subhanahu wa ta'ala? Toi qui es trempé, toi qui es noyé dans les océans des péchés, qui va te pardonner si ce n'est pas Allah azza wa jal? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
Mais une condition, Allah a dit, لَمْ يُصِرُّوا. Ils ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont commis un péché, ils se souviennent d'Allah Azza wa Jal, ils demandent à Allah de leur pardonner, mais ils ne recommencent plus. Ils ne retombent plus dans le piège. Cela, Allah dit, أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Cela, ils auront pour récompense مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, le pardon de leur Seigneur. وَجَنَّاتٌ, un paradis. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, sous lequel coulent des ruisseaux. خَالِدِينَ فِيهَا, ils y seront éternel. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, comme est beau le salaire de ceux qui font du bien. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. Donc, c'est avec un examen de conscience et avec ce repentir et cette imploration du pardon que nous devons accueillir شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Le vrai intelligent, c'est celui qui se maîtrise et qui œuvre pour après sa mort. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. Et l'incapable, c'est celui qui suit ses passions. Tout ce que son nefs lui dit de faire, il le fait. Dis hadi, je la fais celle-ci, je fais. Il n'y a pas de fils, donne pas de frein. Il s'interdit rien. وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ. Et il souhaite obtenir tout d'Allah Azza wa Jal. C'est la raison pour laquelle nous devons agir comme Al-Kayyis, le vrai intelligent. Et le vrai intelligent, c'est celui qui se maîtrise. Yamsiku nafsa. Il maîtrise ses passions. Wa ya'malu lima ba'da al-maut. Et qui œuvre pour se préparer à la mort. Nas'alu Allah ta'ala naj'alani wa iyyakum mimman sayashhaduna shahr Ramadan wa sayasumu lahu imanan واحتسابا ويقومونه إيمانا واحتسابا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Donc on continuera إن شاء الله تعالى la semaine prochaine dans ces doses de préparation pour le Ramadan. بارك الله فيكم.